بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي الطلبة، نلتقي مجددا في هذا الفيديو الثاني لنتابع ما تبقى من ملخص درس لسيغي نيميريك. نبدأ ب لا نوسيون دو سيغي ابسوليمون كونفيرجنت. كاس كين سيغي ابسوليمون كونفيرجنت؟ On dit que la série de termes général UN est dite absolument convergente si et seulement si la série des termes généraux valeur absolue de UN est convergente. Remarque, toute série absolument convergente, elle est convergente. Mais la réciproque, attention, mais la réciproque peut être fausse. Un contre-exemple, on prend la série de termes généraux moins 1 puissance 1 sur 1 plus 1. Cette série est convergente, car nous savons sa somme, est démontrée. S égale à ln2. Mais la série du terme général, valeur absolue de un, c'est-à-dire 1 sur 1 plus 1, diverge. Pourquoi? La suite 1 sur 1, 1 plus 1 équivalente à 1 sur n. Suite de Riemann. Car 1 sur la forme 1 sur 1 puissance alpha. Et alpha, puisque alpha égale à 1, inférieur égale à 1, donc cette série de Riemann diverge. L'utilisation, admite l'utilisation de grand taux et petit taux pour la convergence, pour l'étude de la convergence des séries. Premièrement, si un égale à grand taux de Vn, alors existe la définition, existe un positif tel que la valeur absolue de un inférieure ou égale à m, la valeur absolue de Vn. Par suite, si la série, donc on dit que Vn domine un, la série, si la série de termes généraux Vn converge absolument, alors la série de termes généraux Un converge absolument. Deuxièmement, si Un égale à petit taux de Vn, la définition existe epsilon, tel que la valeur absolue de Un inférieure ou égale epsilon valeur absolue de Vn. C'est-à-dire, la limite, quand un tend vers plus l'infini, n positif tend vers plus l'infini, un sur vn égale à 0. La limite de un sur vn égale à 0. Par suite, comme la première, si la série de termes généraux vn absolument convergente, donc, on trouve que la série de termes généraux UN absolument convergente. Qu'est-ce qu'une série alternée? Une série alternée, c'est sigma UN est une série. Alors, qu'est-ce qu'une série alternée? La définition. La série sigma un est une série alternée si et seulement si son terme général vérifie, quel que soit n appartenant à n, un égale à moins 1 puissance et égale à moins 1 puissance n. Valeur absolue de un. Ou, quel que soit n appartenant à n, un égale à moins 1, puissance n plus 1, valeur absolue de un. Exemple, on prend cette série, la série de termes généraux, moins 1 puissance n sur n puissance alpha, est une série alternée. C'est-à-dire la forme. Le terme général est sous la forme moins 1 puissance n valeur absolue de un.
car 1 sur 1 puissance alpha est positif. Cette série est dite série alternée de Riemann. Critère spécial de convergence de la série alternée. Les séries alternées. Critère spécial pour l'étude de la convergence d'une série alternée. Si la série de termes général UN est une série alternée, telle que la suite de termes général absolu de UN converge vers 0 en décroissant. En décroissant, attention. Il y en a juste à des conditions. La suite de termes général valeur absolue de UN converge vers 0, la limite de UN, de valeur absolue de UN, quand un temps vers l'infini égale à 0. Et cette suite décroissante. Elle est décroissante. Donc, la série de termes général UN converge. والآن نبدأ إن شاء الله في حل بعض التمارين. نبدأ أول تمرين بسيط. Étudie la convergence des séries numériques suivantes. Série de termes général. 2n plus 1. 2n plus 3 sur n plus 1. N supérieur égal à 0. Deuxième série. La série de termes général. Sinus 1 sur n carré, n supérieur ou égal à 1. Troisième série, la série de termes général, arc tangente n, n supérieur ou égal à 1. Et la dernière série, de termes général, ln de n, n supérieur ou égal à 1. Premièrement, 1, on a. La condition nécessaire de la convergence, c'est la limite de UN. La condition nécessaire de la convergence, c'est la limite de UN quand 1 tend vers plus l'infini égale à 0. On a limite 2n plus 3 sur n plus 1. 1 plus l'infini. Égale 2n plus 2n sur n à limite égale à 2. Donc cette limite est différente à 0. Par suite, et comme cette limite est différente à 0, donc la série termes général 2n plus 3 sur n plus 1 diverge. Deuxième série. On lahid anna le terme général sinus n sur n carré sur la forme sinus n sur x et x tend vers les fonctions x tend vers plus l'infini. On sait que sinus 1 sur n carré, sinus 1 sur x, quand x tend vers plus l'infini, 1 sur x tend vers 0, c'est-à-dire sinus alpha et alpha tend vers 0, sinus alpha équivalent à alpha quand alpha tend vers 0, c'est-à-dire sinus 1 sur n carré équivalent à voisinage de plus l'infini de 1 sur 1 carré. Suite Riemann. 1 sur 1 carré sur la forme 1 sur 1 puissance alpha
est alpha strictement supérieur à 1. Donc, par comparaison avec une série de Riemann convergente, cette série est convergente. Par comparaison, 1 sur 1 carré. La somme de 1 sur 1 carré, série de Riemann, convergente, car alpha égale à 2, supérieur à 1. Donc, par suite, la série sigma sinus converge. Donc, dans ce cas, deuxième série, on a utilisé le critère de l'équivalence. Donc, la série de termes généraux sinus 1 sur 1 carré est convergente. Troisième série. Arctangente. La condition nécessaire. On a limite arctangente sur 1 tend vers plus l'infini ainsi que cette limite égale à pi sur 2. Tangente arctangente n tend vers pi sur 2, différent de 0. Condition nécessaire n'est pas vérifiée. La condition nécessaire. Par suite, sigma arctangente n diverge. Diverge. Il nous reste la dernière série, quatrième. On a aussi la condition nécessaire, ln, la limite. Ln de n tend vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. Donc, par suite, la condition nécessaire n'est pas vérifiée. Et CVCF, différent de 0. Par suite, la série sigma ln de n supérieur à 1 diverge.
nécessaire.